Le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés. Quelques jours avant ce mariage, Meghan Markle, duchesse de Sussex, a réprimandé son personnel. À cause de cette histoire de, Elisabeth II a corrigé Meghan Markle. Le mariage du prince Harry avec Meghan Markle a eu lieu le 19 mai 2018. Meghan Markle, l'ancienne actrice de Suits, est donc passée de star de série télé à duchesse de Sussex. Quelques jours avant la célébration de son mariage avec le prince Harry, 37 ans, Meghan Markle, 40 ans, aurait reçu un message sévère de la part d'Elisabeth II, 96 ans. La future duchesse de Sussex était en train de surveiller les préparatifs de son mariage. La future maman de Archie et de Lily Bediana, 37 ans à l'époque, avait réprimandé son personnel, rappelle l'article de Fox News du 3 mai 2019. Cathy Nicole, auteure et experte royale, avait rapporté comment Meghan Markle s'est adressée à son personnel pour une histoire de des stars d'Hollywood qui suivent un régime macrobiotique étaient invitées au mariage de Harry et de Meghan. L'ancienne actrice avait insisté pour qu'il y ait une alternative macrobiotique dans certains plats. Non, je peux le goûter, je peux goûter qu'il y a de l'œuf dans ce plat, se serait-elle offusquée après avoir goûté un plat qui ne devait pas contenir d'œuf. La reine Elisabeth II d'Angleterre, alors âgée de 93 ans, serait entrée dans la salle et aurait pris Meghan pour lui parler en privé. La reine Elisabeth II avait appris à Meghan Markle comment parler au personnel. La scène de la réprimande à cause du goût d'œuf dans le plat avait eu lieu à Windsor, dans la maison de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, comme l'a défini Cathy Nicole. Meghan, dans cette famille, on ne parle pas aux gens comme ça, aurait dit la reine Elisabeth II à Meghan Markle. Selon Fox News, ce n'était pas la première fois que Meghan Markle avait reçu une remarque de la part de la grand-mère du prince Harry. Markle avait déjà été critiquée pour avoir choisi un diadème qu'Elisabeth n'approuvait pas, précise Fox News.